WhatsApp, j'en ai tellement trop d'autres pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de JD et Xilos. Comment allez-vous, Xilos? Bonjour. Bon, t'as vraiment du beau bruit derrière toi, j'ai dit, ça fait plaisir, ça fait plaisir le bruit derrière toi. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Skill PvP en fait, pour un cinquième épisode sur cette version 8 je crois, right? Non, 6, 8, c'est ce que je raconte moi. Et là on va aujourd'hui ouvrir 16 skill bags et 16 skill keys. Et puis je vais faire aussi sûrement un coffre caché ou un concours dans le fond. Je sais pas comment ça va fonctionner, dépendamment de ce qu'on va ouvrir. Je vais regarder avec JD ensuite et on va faire sûrement soit un coffre caché ou un concours dans la description. Vous allez devoir mettre votre pseudo, dans les commentaires plutôt votre pseudo. Puis on va vous contacter et vous donner le stuff. Parce que voilà, c'est les serveurs, les administrateurs qui m'ont donné ça. Et ils m'ont demandé d'en redonner à la communauté. Donc c'est ce que je vais faire les amis. Donc on va commencer par ouvrir les skill bags. Et puis les skill keys après, parce que je pense, j'ai dit, il est modérateur sur serveur, donc il connaît vraiment bien le serveur. C'est ce que j'aime bien en être partenaire un peu avec lui, enfin, mon partenaire de jeu, si on peut dire ça ainsi. C'est qu'il connaît beaucoup plus le serveur que moi, donc il peut me le dire. Donc les skill keys, c'est meilleur que les skill bags, right? Si je me trompe pas. Les skill keys, c'est meilleur. Oui, ok, oui, fait qu'on va ouvrir. Toi, tu penses qu'on devrait ouvrir les skill bags, puis ensuite les skill keys, right? Ouais, les skill bags d'abord, je dirais, parce que c'est moins bien. C'est parti. 1. J'ai un pantalon en sénalium, des pommes d'or, 2 titacites, 8 joints. Oh! 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 J'ai un space! Regarde! T'es sérieux? Oh, GG! Gros! Bien, bien, mec! Putain! C'est la première fois que j'ai un space, mec. Et je crois que c'est l'un des... J'ai eu des pommes cheat. Ouais. Des bananes. Ouais, ça c'est pas super. Des perles. Ouais, c'est pas top top. Un casse en titacite, 8 sélanium. J'ai eu cénobsidienne. Ouais, c'est l'obsidienne qui est colorée, ça sert à rien. Pomme cheat encore, 3 joints. Un arc en titacite qui donne nausée. Ouais. Un arc en urite qui donne poison. Et pour terminer, j'ai eu du sénalium. Donc ouais, vraiment quand même pas si mal. Le space par exemple, c'est les gars de NoFake, je vais le garder, c'est un truc de ouf. Ensuite... Le space c'est le meilleur minerai. Ouais. Mais mets ta souris sur le minerai de space, tu verras, il y a tous les minerais d'affichés. Ouais, je sais, c'est grave stylé. Space, mec. Oh, j'en ai un, quoi. Mec, c'est stylé. C'est ça l'épée en truc. Oh, attends, ça tourne, mec, j'avais pas. Comment j'ai eu un œuf de creep? Il y avait plein de trucs légendaires et tout, mais moi je tombe sur un œuf de creep. Mais tu vois, franchement, c'est les meilleurs, les skills. Putain, allez. Oh, putain, c'est grave stylé, animation et tout, on voit rare, commun et tout. Commun encore, 5 stacks d'obsidienne. Putain. Hey, faut que je sois chanceux, faut que je tombe sur un truc bien, mec, NoFake. Oh! J'ai gagné 2 titacites, c'était marqué que c'était rare, donc c'est bon ça. Bon, c'est 2 titacites après, ça va. Rare encore 2 titacites. Putain. Allez, tombe sur un space là. Et tu peux en avoir, tu peux avoir des. Comment? Des, je sais, j'ai vu, bon. Tu peux avoir plein de trucs stylés, putain. Comme un pump shit. Putain, je suis pas chanceux, mec. Oh, 16 sénalium. Putain. Mais c'est pas super. C'est pas super. C'est marqué que c'est rare, mais c'est pas super, super. Kit enchanteur. Ouais, ça va, ça encore. Donne-moi le casse en space, là. Allez. 8 random or. 8 random, c'est pas mal, mais on y va. Oh! Oh! 3 skill bags légendaires! 3 skill bags, je te jure! Oh putain! T'as vraiment la grosse moule à la fin. Hein. Comment les gens ils savent que je rec? Il m'en reste 5 là, 6 mais j'en ai une qui roule déjà. Un autre skill bag, lol! T'es sérieux? Ouh, 3 œufs de creep! Pas mal, pas mal. Il y a eu un lag là par exemple. C'est rare les œufs, non? 16 random or. Oh. Mais non, tu ramasses de... Tu veux qu'on les ouvre ou pas? Non, attends, le truc c'est que je suis full. Excuse-moi. Déposer la base. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oh putain, je suis en train de mourir. Mais ben dis donc. Dédicace les copains, DJ Dou, tout. Ah, c'est toi qui as dit que je rec. Ouais. Tout le monde met, tout le monde spam. Merci les gars, ça fait plaisir. Donc attendez, on va mettre ça dans un coffre ici. Il y a sûrement un coffre qui est vide, qu'on puisse voir ensuite tous les trucs qu'on aura récoltés. Faut dire que c'est moi. Il n'y a pas un coffre vide ici là? Ah ouais, ici. Au-dessus, à ta tête. T'inquiète, tout ce qu'on a récolté. Les... Damien. Tout ça ici, tout, c'est ça, c'est tout ce que j'ai. Merde, j'ai lancé un stack de graines de canard. Vas-y, j'ai mis dans le coffre. Slash of back. On va rouvrir 4 kill bags. En attendant, on a eu un arc urite,
Ah, pas mal, 8 des œufs de creeper, des punch sheets et 16 random or. Donc ça va. Oh, pas mal. Mais il me reste 3 clés. Il me reste 3 clés. Viens au truc des clés. Je vais t'en passer une et j'ouvrirai les deux autres. Et je lag, tu vois. Let's go, please. Demande des trucs en space. Je veux des trucs en space, moi. Yep, je suis là. 5 stacks de bouteilles d'X-Play. Ça va. T'es où? Tiens, la clé. Là, derrière toi, à ta droite. Allez, s'il te plaît, donne-moi quelque chose en space, mec. En space, putain! Si j'ai un œuf de creep, je te jure. Putain. Ah, j'ai vu la mété passer. Oh là là, je vois tellement de trucs trop bien. T'as eu quoi? 1000 euros. Allez, trop fort! Tiens, attendez, les gars. C'est quoi, j'ai. T'es où? Vas-y. Merci, mon pote. Donc, je vais aller à la BP et je vais vous montrer en fait. Oh, j'ai eu quand même pas mal de punch cheats aussi. Hein. J'ai 26 punch cheats, MDR. 26, putain. Ouais. J'ai eu au total 40 random or quand même. C'est pas si mal. Hein. En vrai, c'est bien. Ouais, c'est super bien, franchement. Et on a eu pas mal de stuff, pas mal d'XP. On n'a pas été super, super. Super chanceux, les gars. Mais en gros, si je vous ferais quelque chose à gagner, ce serait tout ça. Je pense qu'on va tout donner à une même personne en vrai. Ouais, mais tu veux faire un. En vrai, je vais. Un coffre caché? Bah, on pourrait faire un coffre caché ou sinon. Enfin, comment on pourrait faire ça? C'est que la vidéo va sortir dans quand même un petit moment, donc je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire en vrai. Non, je pense que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre votre pseudo dans les commentaires et on va vous donner tout ce qui est contenant dans le coffre. Je pense que c'est plus intéressant comme ça et on va peut-être ajouter des petits trucs sur le côté aussi. Ça, c'est tout ce qu'on a eu, les gars, mais c'est pas super, super bien sûr. Vous avez compris, je vais garder le space hein, qu'on a eu. C'est mon seul space que j'ai, donc je vais le garder. Et moi, je vous donnerai tout ça, les amis. On n'a pas été super chanceux en vrai. Hein. Enfin, ça passe quand même. C'est mieux que rien. Quand tu commences le serveur, t'es heureux. Enfin, c'est déjà ça. Puis, regarde, on pourrait mettre genre. Pour commencer, c'est déjà ça. 20 random or, la moitié. Et moi, je vais garder la moitié pour moi. Comme ça. Bah, vas-y, t'es plus tard pour l'ouvrir si tu veux. Puis, on va. Vas-y, je mettais pas toi. Ça marche avec la fortune ou pas les random or? Non, ça marche pas, non. Ah, malheureusement. Parce que j'ai pas de fortune aussi. Mais ils ont levé ça. Bah, j'en ai moi s'il faut. Tu déposes bien, dis donc. Vas-y. J'ai rien acheté des random or ou quoi? Non, comme tu veux, mec. Oh, j'ai eu un minerai de météor. J'ai vu la petite mété là, j'ai les boules. C'est rare? Mais c'est super rare, t'as 10% de chance, je crois. Ou c'est, non, c'est 5% la météore et 10 le tita. J'ai eu deux titans et un météore. Et tu sais quoi, on va ouvrir tout, on va toutes les prendre en fait. Je retourne en BP, moi je vais chercher et je reviens. Mais on va toutes Attends, les ouvrir. J'ai deux stacks de random or. Vas-y. Putain, t'es riche toi. Stack ou pas? Ouais, ça va. Des 128. Hop. Le minerai de météore, faut que tu le fasses cuire dans le four, non? Si je me souviens ouais, bien. Ouais, dans le four. Ouais, ouais, voilà. C'est comme aux anciennes versions quand on avait joué avant. Bon, bah. Au pire, c'est qui lui? C'est toi. Moi j'ai deux stacks, ça va être dur à poser ça. Vas-y. Bah donne-moi un, je vais le poser aussi et on cassera tout. Ça lag un peu le serveur, non? Il y a des fois, il y a des mini lags, je sais pas, parce qu'il y a des mecs qui font leur base hein, avec des champidos là. Ah ouais, ok. C'est pour les sécu. Parce que c'est un petit autorisé, du coup ils en profitent et voilà. C'est un peu. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu chiant. Enfin quoi, si vous avez pas compris les gars, j'ai dit dans le fond, ben vite fait, on va faire une farm de cannabis, on va faire pas mal de trucs, essayer de s'en faire un peu d'argent. Ouais, on va jouer avec lui parce que ben j'avais pas vraiment d'autres personnes à qui jouer, parce que vous savez, je suis un sans amis moi, et donc voilà, ça me fait quelqu'un à qui jouer, puis en plus, ben, on peut se parler sur TeamSpeak et tout, donc c'est cool. Yes. J'en ai 3, bon, banane. Vas-y, bon ben, on mine. On mine et, vas-y. On fait le compte rendu à la fin. Ah, vas-y. Pour l'instant, j'ai même pas eu un titan et une météore. Hein. J'ai eu seulement un titan. Ah, j'ai eu une météore encore. Toi, t'as la chance. Ah, un titan. Oh, titan et météore direct d'affilée. Vas-y, on va voir combien qu'on est capable d'avoir de météore. Ça vaut le coup ça de faire des random or ou pas, en fait? Normalement, bah, les 4, je pense même pas. Moi, 2. Je dirais 2 normalement. 2, 3. Oh, deux, une autre météore. Ça va. On devrait en avoir environ 4, je crois, normalement. Oh, ah non, c'était le coffre, j'ai cru que c'était le mété. J'ai vu le coffre en mété. Ça m'a emballé. Ouais, j'en ai 2 mété, toi. Tiens, regarde. Tiens. Regarde, je te leur montre tout ce qu'il y a eu. Il y a eu. Ouais, on a 4 mété, mon pote. Putain, c'est good, ça. Tiens, 4 mété, je les file. Et on a regarde, 56... 56 sélanium, bon, tout, plus d'un stack de udurite. Ouais, vas-y, on va faire cuire tout ça. Et on va se mettre un joint. Tiens, on va prendre un joint ensemble sur le bord de la plage, comme on peut voir ici.
pour cette petite vidéo. Donc voilà les copains, on se retrouve après. Ou pas. Parce que j'ai un livre PK tu trouves, je pourrais le mettre sur les bottes en météore que tu m'as filé. Tu conseilles de fouiller les bottes? Non, laisse-les non enchant, tu fais toi un full space d'abord. Ouais, full space, ok. Mais après moi je te dis, si tu fais un full space, tu vas pas aller trop PVP avec, donc Et comment tu fais? Ouais, c'est ça, moi c'est plus pour PVP, donc faudra plus que je me fasse mais un si c'est P4. pour PVP, fais-toi du full. Full P4 météore. Cheetah, pas plus simple. J'ai que des Ok. stuff cheetah. Ok, bah j'en ai déjà pas mal. Donc je vais mettre le plastron en l'or anti-tap P4U3 alors, non? Ouais. Vas-y, genre le splay c'est plus pour le collectionner en gros, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, moi ce que je c'est ce que je fais, moi je me fais aucun stuff. Hein. Ok. Je collectionne juste les space et les métiers où je les revends pour me faire un maximum de monnaie. Ok, bah C'est je vais aussi un aller petit peu au spawn, je vais recherche. aller faire ça. Je vais aller fusionner ça, mon copain de l'interweb Le fait aussi. d'avoir beaucoup d'internet de monnaie, et là j'ai pu acheter 2 stacks de randomor tranquille. Ouais, ça va aucun. Tu Et t'es ça coûte. pas. Ouais, ça t'a pas. Ça l'a pas affecté ton budget, comme on dit. Ouais, j'avais 200 000, je suis à 145, donc ça va. C'est bon, j'ai un plastron en de plus. Et j'ai un full set en gros. Là, j'ai un full set mauve. Et j'ai un full set pas mauve. Et bleu. Ouais, bleu. Ouais, good ça. Donc, ouais, c'est pas Après des mal. mobs, j'en ai plein, mais s'il faut. Ouais, t'inquiète, ça c'est un des plus J'ai simples hop, à j'en ai avoir. plein. Mais si, c'est Ouais. quand même bien pour. Enfin, c'est pas mauvais, tu vois. Et là, je fais Ah cuire tous non, les c'est bien. trucs. Comme. Voilà, on fait tout Là, je cuire. mets des coffres. Et aussi. Mais c'est bon, on a eu quand même deux métiers, donc ça va. Hein. Voilà. Faut deux métiers chacun, donc ça va. Ok, bon, on attend que tout soit cuit, les gars, puis je vous reprends après. Okay, donc, si Allez, je fais avec ça. ça dans la table de Vas-y, craft, ça va ouvre me ta donner un table. space, c'est ça? Oui, voilà. Ok, bon, bah, let's go, on va essayer. Slash craft. On va mettre le météore au milieu, l'urite de chaque côté, l'urite en bas plutôt. L'urite de chaque côté et ça là. Oh ouais, ça donne un space gros. J'ai T'as vu? deux space maintenant. Ouais. T'as encore toujours avec Oh le cam. mec? Oh yeah. Deux Mais space les gars. garde une métier pour le mec. T'inquiète. Ok, là j'espère que vous allez. Il m'a insulté les fils de pute! Ouais, t'es mieux de t'excuser, man. Donc, je suis en train de récolter mon cannabis pour pouvoir le revendre sur le marché noir, bien sûr. Je sais pas, lui, je pense qu'il est prêt. Je sais pas comment on fait pour voir la différence de celui qui est prêt et celui qui est pas prêt. Ok, comme lui, il n'y a pas de branche en dessous. Tandis que lui, il y a une branche genre rouge, là. Ça veut dire que lui, il est prêt. Ça a bien fait les textures en vrai sur ce serveur-là, en vrai. Hein. Tabarnak, c'est bien fait. Ah, oh, lui, il doit être prêt. Non, mais garde lui. Regarde, il est pas prêt. What the fuck? Comment on fait pour savoir s'il est prêt ou pas? Y a-t-il une technique? Genre, celui-là, je pense qu'il est prêt vu qu'il est plus gros. Ouais. What the fuck? Lui, il doit être prêt vu qu'il est gros. Okay, c'est juste au hasard, dans le fond. Ça prend 30 minutes à pousser, à ce qui paraît. Lui, était plus gros que les autres. Ça prend 30 minutes à pousser, à ce qui paraît. C'est quand même long, hein. Dans la vraie vie, ça prend plus de temps que ça. Je parle comme si j'étais un expert, bien entendu. Voilà. Ici, on a notre ce qu'on peut récolter, vous pensez? Il y a sûrement notre ami qui a dû passer. Ouais, on peut le récolter ici. Sûrement notre ami JD qui a dû passer. C'est sa ferme de cannabis à lui. Personnellement, moi, j'habite juste avec lui. Je coparente avec lui. Puis, je vais essayer de crafter mon premier joint aujourd'hui. Fait que, ouais, je sais que c'est pas très intéressant. Mais je vais essayer de crafter mon premier joint. Parce que j'en ai jamais crafté auparavant. Donc ça peut être quand même assez cool. Boum, boum, boum. Voilà. Puis on essaiera de vendre les joints après sur le HDV. Ça se vend super bien. Donc ça c'est HDV Open pour voir le HDV. Avant je savais pas comment. Mais maintenant j'ai trouvé. Puis, je trouve ça assez stylé. Parce que regardez, on peut trier. Donc par exemple, vous voyez, on clique ici. Là on marque exemple joint. Là on peut voir toutes les joints qui sont en vente. Ça c'est cool. C'est vraiment très bien fait comme système de HDV, je trouve ça quand même assez intéressant. Donc, je me suis fait une petite base, je vous en ai peut-être pas parlé, je me suis fait une petite base, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, on se fume un joint, ouais. Donc, je vais vous montrer ça, en fait, j'ai un home BP avec lui, avec, à propos d'Affection, la connerie, le 23 septembre. Attendez, juste vite fait rechercher ici. Ça, c'est le truc qu'on va vous faire gagner. Donc, dans la dernière vidéo, si vous l'avez pas vu, en fait, c'est dans cette vidéo-ci, en fait. Je pense que vous mettez un commentaire dans cette vidéo-ci. Puis, vous allez pouvoir... Oh! Oh! Gagner tout ça. Mais avant, on va le fusionner des trucs. En vrai, je vais voler des trucs pour me faire un P4 à moi. Moi! Ils ont pas se faire un P4, on pourra aller PvP. Un full P4 bleu. Ah oui, j'ai dit aussi, il m'a donné un conseil, les gars. Mettez pas vos bouteilles comme ça. Mettez-les dans les airs comme ça.
À ce qui paraît, ça donne plus d'XP s'il tombe sur votre tête. À ce qui paraît. Je sais pas si c'est vrai, mais on va écouter ce que JD dit. Hein. Ce que JD nous dit, c'est souvent vrai. Il joue énormément sur SkillPP. Il passe sa vie là-dessus. Il n'y a aucune vie, ce gars-là. So, ça se peut qu'il ait raison. Sur ça, voilà. Ça, voilà. Voilà. Et là, on va mettre ça sur. On va se faire un plastron, tiens. Oh, what? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Une pomme d'or. Thanks, bro. Thanks. Thanks. Thanks, buddy boy. Thanks. On va crafter vite fait un plastron. Bon, je suis désolé si des fois ma main tremble, j'ai des petits problèmes, je vous expliquerai ça une autre fois, là. C'est pas important, mais en gros, j'ai des petits problèmes à la main, donc c'est pour ça que des fois, j'ai des petits problèmes, ok? Chez moi, pas si. Donc, il va nous manquer ça pour avoir un autre full set. On va travailler... Oh, j'ai arrêté de mettre sur mon truc en météore, en vrai. Oh, c'est pas grave, C'est pas grave. Puis on va se faire des pantalons, dans le fond, on va faire des pantalons qu'il faudra enchanter. Ben, je pense que je peux faire mes kits, vu que ça fait une journée que j'ai pas joué. Ça fait, je vais une fois par jour à peu près, deux fois par jour, donc je pense que j'ai mes kits. Si oui, on va aller à mon home chest, j'ai toutes mes kits, allez, super. Je vais à mon home chest, je fais toutes mes kits, puis je vous montre qu'est-ce qu'on a eu comme random kit à tout. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est ici que je stack toutes mes affaires pour PVP, en fait. Donc c'est un home à genre, quand même loin du spawn. Je mets toutes mes potions là, je mets toutes des armures ici, comme ça, puis comme ça. Fait que c'est genre, c'est ici que je mets toutes mes kits, etc. Pour pouvoir avoir... accès plus facilement au truc. Donc, attendez un instant, je vais faire mes kits. Voilà, j'ai fait toutes mes kits, les amis, on est rendu au random kit. Et puis, j'ai un kit gladiateur, tabarnak. Bon, ben, c'est mieux que rien. Aujourd'hui, on n'a pas eu un meilleur kit, mais on a eu des random or. On va fusionner ça pour faire un P3. Et, let's go. On s'apprend quand tout ça est fait. À tout de suite. Ouais, les gars. Donc, ouais, on va aller fusionner tout ça. Désolé, j'ai dû aller faire un petit quelque chose. Donc, on va aller fusionner tout ça au spawn. Tiens, il faut les mettre par la tête, j'ai oublié. So, ouais, puis ensuite, je vais terminer la vidéo avec une petite séquence PVP. Je pense que ça sera une bonne vidéo aujourd'hui avec les skill clés qu'on a ouverts, etc. Et, puis voilà, donc normalement, c'est ça qu'il fallait faire. Ça et ça. Boom! Comme ça, on a un nouveau full set à la place de celui-là. Ça, c'est avec les kits, on aura réussi à le fusionner. Puis celui-là, on pourra l'enchanter niveau 30, tiens, directement. On va sûrement avoir un Breaking 3. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais j'ai juste un Breaking 3, moi. Il va me voler mon XP, le calice. Il va essayer de me voler mon XP. C'est bon. On a réussi, les gars. Donc, table d'enchant niveau 30, c'est celle-là. Non. Une chance, je l'ai pas cliqué dessus, ici. Et ça m'énerve quand il n'y a pas le Force Sprint, voilà. P3. Oh, c'est pas si mal, c'est pas si mal. On va pouvoir être en préparation d'un nouveau set, ça c'est bon. On a deux space. Si vous avez des space, j'ai des trucs que vous voulez me donner. Oh, on a des random or aussi à miner. So, on va aller au home farm. Ouais, on va aller au home farm. On va les placer, on va les péter en espérant qu'on ait de la météorite. Hop là, voilà. Voilà, voilà, voilà. La mété, s'il vous plaît, de la mété, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nope, pas de météo aujourd'hui, on a juste eu un petit tacite. C'est mieux qu'il y a rien, les amis. Fait que je vous retrouve pour une séquence PP tout de suite après. Ok, yup, donc j'ai pris tout ce que je pensais qui était bon. Donc 8 juin, prendre des bananes au cas où, prendre 4 bananes, puis le reste, ça devrait être bon. 2 farès, 2 potions de faim. Puis ça devrait être correct, je pense que ça devrait être bon. On va juste mettre la bouffe au max, let's go. Ça devrait être bon pour PVP, les gars, souhaitez-nous bonne chance. J'ai mis mon full P4, j'ai pris une T5 F2 U3 qu'on m'avait donné en don. Puis on va aller essayer de trouver du combat. Donc à tout de suite. Oh mon dieu, j'ai en internet, il y a pas mal de fights juste là. On va entrer dans la bagarre nous aussi. On va se splash potion anti-faim. Je sais pas si ça a marché. Voilà, là ça a marché, c'est sûr. On va se mettre une potion de chute. Boom, comme ça. Fire res. Boom, comme ça. Bon, force, on l'a déjà. Bref, voilà, on s'en fout. Let's go, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance, les amis. Donc, on va essayer de règle de ce bozo. Hop là, je sais pas. Oh tabarnak, il y a 1 million de personnes qui se sont ramenées. Attendez, on va faire un petit quelque chose comme ça. Hop là. What the fuck?
T'es corlisse, toi. Ok, vous êtes prêts? On va prendre une petite pump sheet. Bon, let's go, Meta. Whoopelay, whoopelay, whoopelay. What the fuck? Il prend quoi, un KB? What the fuck? Ok, c'est genre une team de 1 million, eux. Ok, lui, on va faire drop un gars, c'est sûr. Lui, on va le faire drop. Ça se peut qu'on meurt, les amis, c'est pas grave. Ok, c'est une team de 10 millions. Bon, ben. Ils vont essayer de me faire back. Est-ce qu'ils sont pas bons, man? Poison. Ouh, poison. Ouh. Bravo, champion. Bravo, champion. Bravo, tu m'as double BBF. T'es content, hein? Bravo. Ah, oh, en plus, il y a un gars qui est full space, c'est-tu. Bon, on va essayer de focus un gars qui est en rose. Genre, un gars comme lui, là. Essayer de le faire drop. Je sais qu'on est capable, les gars. C'est juste le problème, c'est avec notre armor. Faudra gérer. Check ça. Lui, par exemple, lui, là. Lui, je pense qu'il y a un cheat, là, par exemple. 4-chain quelque chose, là. Non, en vrai, il est pas très bon. Il fait juste extrêmement de dégâts, mais genre, on dirait qu'il sait pas jouer, genre. Ouais, il a de la misère à jouer. S'il y aurait pas 50 personnes, sûr que ce serait un peu plus simple, mais là, on n'a pas tellement le choix. Lui, il a une épée spéciale. Elle fait crissement mal son épée. Tabarnak, what the fuck? Ah oui, on le drop, on le drop, on le drop, on les... Ah! Non, non, il va le drop, non, 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 non! Ah, je me fais taper par derrière aussi. Boum, brou, 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 petit joint. Pourquoi pas? Ils sont pas tellement bons en vrai, hein? Il y a juste le 4-chain là, qui tape fucking bizarrement. Regarde, regarde, regarde! C'est ça le gars qui est bizarre, les autres sont fucking pas bons, genre. Je pense pas qu'il cheat, juste qu'il est meilleur que moi, j'imagine. Enfin, il était pas tellement... Il est pas tellement bon, il est juste bon pour donner... Il a juste une bonne reach, en gros, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Ok, bon, on est dans un 3v1. Très, très, très intéressant. Comme PVP. Hop là, boostez-vous, allez trop loin. Let's go, laissez-moi 1v1 contre eux. Ça, c'est une petite technique aussi que j'ai remarqué. Les gens, ils boostent, ils vont un peu trop loin. Puis après, ils sont coincés, mais regarde... Ah oh ouais, lui on le drop, allez je m'en crisse, on le drop lui. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié qu'il était de 4 millions, hostie. Allez, essaye d'être boost. C'est pas très mandoué en fait, t'es même pas capable de le faire, hostie. Bon. On va pédaler, on recule. 3v1, MDR. Vraiment pas tellement de talent ces gens-là. Allez, 40 ex... Ah, ok, faut que j'en focus un genre. Ah, ils font pitié en vrai, man. Ils ont de la misère à me tuer, ST, ils sont 3 sur moi. Ça fait un peu pitié quand même. Bon. Bon, allez. Là, il reste à 30. Calisse, lui, il cheat. Le gros, je suis sûr qu'il cheat, ST. Y'a pas un slash panique? Lui, là, je suis sûr qu'il y a un autoclick ou quelque chose, le gros. C'est impossible. Y'a personne d'autre sur. À moins que ce soit le meilleur joueur du serveur, là. Mais y'a aucun autre joueur, ST, qui m'a tapé de aussi loin. Regardez. Les autres, ils arrivent même pas. Ouais, il est bizarre ce gars-là. Il est bizarre ce gars-là. Lui là, il est chelou. Je vais essayer d'avoir le plus de séquences contre lui parce que je sais que je vais être capable d'avoir plus de. Quand je vais les regarder après, je vais pouvoir juger vraiment s'il cheat ou pas. Ils sont pas tellement bons, hein. Bon, on va essayer de descendre. Il y avait du PVP ici. Hop là. Hop là. Venez. Venez ici. Vous allez mourir. Il y a d'autres gens. Venez m'aider. Allez, venez. Ah non, ils sont tous ensemble, ok. En fait, je pensais que c'était d'autres gens qui se fightaient, mais non. Ils sont tous ensemble. Ok. Super. Gros. Vous êtes vraiment doué. Je dois avouer que 5 versus 1, je m'attendais pas à mourir. Lol. Je vais juste gaspiller une potion, les gars, en vrai. En vrai, je suis capable de tank en ce moment, je suis tank en crise, man. Et voilà. Très, 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 très bon. Très doué.
Très doué. Très, 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 très doué. Je vais juste regarder sa faction. En plus, il était vraiment même pas bon. En fait, c'est ça le pire, c'est juste qu'il était plus que moi dans le fond. Mais j'ai pas de faction pour PvP, genre, c'est le problème. C'est mon seul problème, c'est que j'ai pas de faction pour PvP. En plus, il était tout seul, mais il devait être avec des alliés, genre. Il devait être avec la Heroes, sûrement. FF et Rose V2. Même pas, il était sûrement avec son autre faction, c'est quoi? L'autre faction qui est en allié avec lui, c'est quoi? Rage 2? Ça doit être eux autres. Rage. What? Rage. II. Même pas. Ben, tabarnak, là, je comprends plus rien, hostie. Mais enfin, c'est pas grave, les amis. J'espère que l'épisode vous a fait plaisir. Si c'est cool, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Donc, on va recommencer sûrement un nouveau armor la prochaine fois. Je vous aime, c'était Compte. Peace!